Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes à Lille aujourd'hui. Je suis avec ma mère filme, hein. Première fois, applaudissez-la. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va au marché de Noël de Lille, on va tester les spécialités du marché de Noël et les spécialités lilloises. Donc je vous emmène avec moi, on vous emmène avec nous pour cette merveilleuse journée à Lille. Bon là il fait pas très beau, mais ça va aller je pense. C'est magnifique. Ouais franchement c'est on connaît pas, on connaissait pas Lille. Enfin, moi, je suis déjà allée une fois. Ah bon, d'accord. Bah moi, je connaissais pas, hein, malgré mon vieux. Où tu vas, Mams? Je montre la gare dans son ensemble. On va chercher le Kramik, donc apparemment, c'est une spécialité de Lille, donc lilloise, pour le petit déjeuner. Donc c'est un restaurant salon de thé. Apparemment, c'est les meilleurs de Lille. On nous a dit que c'était aussi les plus chers, mais les meilleurs. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Mais par contre, c'est magnifique. Magnifique. Très très bon, on va vous montrer tout ça. En tout cas, merci aux Lillois de nous avoir conseillé cette boutique. Boutique. Une boutique. Boulangerie. C'est un salon de thé apparemment, ouais. Doté d'une boutique, effectivement. Merci beaucoup aux Lillois, vous êtes très très sympathiques. C'est le bouquin des spécialités de la boutique. Rappelle-nous le nom de la boutique, Myriam. Mer. M-E-E-R-T. Nous sommes posés pour prendre le petit déjeuner, on est chez Paul, pour vous dire. J'ai pris mon petit cappuccino, comme vous le savez, café au lait, cappuccino. Alors, ça sent bon en tout cas. Hein. Ouais, celui-ci au raisin. Raisin sucre. Et en fait, ils ont changé la forme en petit Jésus, pour Noël justement. C'est bon. Quoi? C'est de la brioche. Je regarderai le ticket, je vous mettrai le prix de combien ça va coûter. Donc il y a le raisin là. Ça a l'air bon, ouais. Franchement ça a l'air bon. On trempe la brioche dans le café. Coucou! Nous allons manger au Alcide Restaurant. Ça nous a été gentiment conseillé par une dame à la boutique Mère. Donc c'est parti, allons-y. Allons déguster! Je sais pas s'il faut réserver par contre. Elle est pas beau ce sapin? Magnifique. Ma mère, elle a pris une bière. Elle a été élue la meilleure bière du monde. Elle s'appelle L'Anosteke. Je goûte. Elle est délicieuse. Super bonne. Myriam, c'est écrit dessus. Ah bah oui. Alors moi je suis pas très bière, je suis très difficile en bière. Enfin, je bois presque jamais d'alcool. Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Elle est fraîche, elle a un goût fruité, non? Ouais, un petit goût fruité. On attend le plein, vous allez voir. Ma mère, elle a pris un suprême de poulet. Et moi j'ai pris quoi déjà? Welsh revisité. Je vous mettrai la photo du vrai Welsh. Madame. Quoi? Mais comment je vais manger tout ça? Ils doivent pas te donner du pain normalement. Elles nous font une tartinette. Hein. Ah, c'est trop bon. Du pain au fond. Ah, il y a du pain. Ah, c'est pour ça la fondue. Oh. Ça a l'air bon. Vas-y, goûte encore un au fond. Eh, c'est délicieux, maman. C'est vrai? Je vais goûter alors. Je peux goûter? Ouais, c'est un truc de ouf. En fait, au fond, vous avez du pain. Ça a été revisité sous forme de fondue. Ouais. Par contre, comment tu manges tout ça? C'est bon. Il y a un goût, je sais pas, c'est trop bon. Bah, c'était délicieux. J'ai pas fini encore. C'est un bonheur. Maman, à vous, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Ça, pour deux, ça suffit largement. Hein. Toi et moi, on aurait pu manger ça à deux. Oui, enfin, ça fait mauvais genre dans un restaurant. Ouais. Juste un repas, s'il vous plaît. Donc, ma mère a pris un millefeuille déstructuré. Et moi, c'est un merveilleux déstructuré. Revisité, pareil. Vanille bourbon. J'ai l'impression que ça fait un peu diplomate. Elle est très bonne, hein. Ravie, non? Très sucré, par contre. Ouais. Sans le rhum. Ouais.
Très bon. Petite mousse au chocolat, légère mais pas trop sucrée. Mmh. Incroyable. T'as raison, c'est très bon. Très très bon. Très, très bon. Alors par contre là, j'ai tout fini. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Nous sommes dans la boutique, enfin devant la boutique Harry Potter. Ce n'était pas prévu. Hein. Ah mais non, c'est pop-up. Ça veut dire que c'est une boutique éphémère, je crois. Mais c'est pareil. Il est à peu près 16h30, 17h. Donc là, on va prendre le goûter au marché de Noël. On n'a pas encore été, on a fait un petit tour dans Lille pour commencer. Et Lille, c'est magnifique, hein. Hein, maman ? Je confirme. En fait, on a visité le vieux Lille. Ouais, le vieux Lille. Le vieux Lille, c'est très piéton, très commerçant. Tu veux faire la grande roue, maman ? Oh non. Non, merci. Salut. Salut. J'ai vu tes vlogs et j'aime trop. Non, c'est pas trop bien. Voilà, ça fait pas longtemps que je regarde, hein, donc j'ai pas eu le temps de tout voir. Mais, voilà. Mais non, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais ? Oh, trop cool. Là, des abonnés. Trop bien. Bisous. Merci. Mais non, je suis trop émue là. Trop cool. Bienvenue au marché de Noël de Lille. On va prendre un goûter. Peut-être les bretzels au chocolat, je ne sais pas encore. On a été dans un petit chalet et nous avons pris des croustillons. Alors les croustillons par contre c'est belge de ce que j'ai vu. Ça a l'air bon la puce. C'est de la pâte à beignets, c'est délicieux. Ça sent très bon hein. Ça sent très très bon. C'est très gras par contre. Ouais. Bon, ouais. Moi je continue à manger mais là il y a beaucoup de monde donc on va avancer. Je remets mon masque quand même. D'accord, allez. Avec ma mère, nous sommes tombées amoureuses de Lille, franchement. J'avoue, c'est tellement beau. C'est magnifique. C'est magnifique, trop... magnifique, magnifique. Hein, tourne avec moi. Tourne. C'est très beau. Nous sommes sur le chemin du retour et on a pris chez Mertz la célèbre gaufre à la vanille bourbon de Madagascar. Le général de Gaulle venait dans cette boutique pour les gaufrettes à la vanille. Il y a un fourrage dedans ? Non. Bah c'est le... Je comprends pourquoi le général de Gaulle y venait. Hein. Très bon. Patate au maroilles. Patate au morbier. T'auras molli du fromage, mais c'est tout. Il n'y a pas de poulet, il n'y a rien dedans. Mmh. Est-ce que c'est vrai qu'il y en a vraiment qui trompent le maroilles dans le café? Ouais, bien sûr. Ah, faudrait que j'essaye pour une vidéo. Tu pourrais. Donuts, le monde du donuts. Thank you.
sont incroyables. Faut que tu goûtes. Franchement, c'est très très bon en tout cas. Très très bon. Comme vous avez pu le voir, je suis rentrée à la casa. J'ai dégusté la patate avec du maroilles dessus. Oh, un délice. Trop, trop, trop bon. Et puis là, j'ai mangé les donuts. La maison du donuts, pareil. Ma journée était incroyable. Franchement, et voir des abonnés. Mais je vous jure, j'ai trop d'émotions. Vous vous rendez pas compte. Avec Mimo, on en avait parlé. On s'était dit que ce serait incroyable de voir des abonnés. Et... je suis trop contente, en tout cas si vous êtes là, si vous me regardez. Mettez-moi un petit commentaire pour vous manifester, parce que c'est vrai que je vous ai vu, j'étais grave surprise et j'ai même pas demandé votre nom, j'ai même pas de photo, rien. Je sais pas, j'ai pas l'habitude. Alors du coup, vu que c'est la première fois que ça m'arrive, en tout cas c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré Lille, j'ai adoré cette journée avec ma maman. C'était incroyable, elle a découvert Lille, on a découvert Lille, on a passé une journée extraordinaire et on a bien mangé, on a rigolé, on a kiffé. J'espère que je rencontrerai d'autres abonnés, ça serait trop cool. N'hésitez pas à vous abonner. Love you! À très vite pour une prochaine vidéo.